Kadu fela gogo mi vo mi no mujo. Je te l'avais déjà dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Dieu sait que tu y vas. Dieu sait que tu n'y vas pas. Parce qu'il sait tout. Pour cela, il fera en sorte qu'un événement vienne pour faire paraître les choses. Alléluia. Meka gongwe ma choye swa swe hello low hello low waka ata hallelujah meka gongwe ma choye swa swe hello low Hello, hello, wakata. Yesu, hello, awu ameshiama. Jésus, tu es plus grand que toute autre personne. Wenye chifo kule anigba wola. Et c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Wedo kude mukata. C'est toi qui domines sur toutes choses. Wongu seme nushiano awatole. C'est dans ta puissance que toutes choses évoluera. Takpena wongu desia. Et nous te remercions ce matin. Elaba maudola yohola tantan. Ah, les anges de Dieu remplissent ce temple. Et vio kata wola poma fifila. Et tous tes enfants à la maison présentement. Et wole nyala. Écoute la parole présentement. Aujourd'hui, et tu agis momentanément dans la vie de tout le monde. Et ta gloire est descendue sur tout le monde. Le dessein de Dieu est manifeste pour les enfants de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent notre Bible. Retournons dans le livre des Psaumes. Salomon tabla à Shekelia. Psaume 90. Aye, on dit si là. Et ce matin, nous lisons le verset 13. La parole dit Yehowa trokodro. Reviens, Éternel. Va céder que Kaï. Jusqu'à quand? Et na au domena trode au dolaumu. Aie pitié de tes serviteurs. Praise the Lord. Alléluia. Yahweh. Éternel. Trokodjuro. Reviens. Yahweh fajikula. La colère de l'Éternel. Elle a gossom de Dieu. Et sa croix. Yehowa. Me gale amade ke bokbomu. L'Éternel ne regarde plus à qui que ce soit. Et lui de betam. Il a résolu. Mais ya tron ke kama blu bola kata. De détruire totalement le monde. Amade ke. Matin a tote o. Ce que personne ne pourra arrêter. Personne n'est assez puissant pour dire hey, Éternel, attends. Non. Il n'y en a pas. Donc, souviens-toi. L'Éternel avait dit à Noé ce jour-là que je me repens d'avoir créé l'homme. Je détruirai tout le monde. Que y avait Et à toi, Noé, je ferai grâce. Et c'était ce qui s'est passé. Il a détruit le monde entier. Et c'est dans ceci que nous sommes encore aujourd'hui. Dans le monde entier, le monde va périr. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Le monde entier va périr. La parole dit Éternel, reviens et regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Jusqu'à quand?
Et comme tu as décidé de détruire le monde, et tu t'es tourné vers Noé. Oui. Oui. Et quand tu t'es tourné vers eux, ils ont survécu. De la même manière, tous les enfants de Dieu aussi vont dire à l'Éternel jusqu'à quand? Reviens. Éternel, reviens vers nous. Et aie pitié de tes serviteurs. Et que l'Éternel ait pitié de ses serviteurs. La fille là. Ici. C'est ce que toi et moi nous devons faire. Afin d'être parmi les serviteurs de Dieu. Et par notre conduite. Et par nos comportements. Par nos démarches. Et c'est grâce à cela que nous serons considérés comme étant les serviteurs de Dieu. Tout comme Noé et les siens. Je voudrais que tu comprennes ces paroles sérieusement. Dieu ne reviendra à personne d'autre. En ce temps-ci, il se tournera uniquement vers ses serviteurs. Pour cela, mon frère, ma soeur, deviens un serviteur de Dieu. Et que la vie de Dieu t'anime. Et que la puissance de Dieu entre dans ta vie. Afin que Dieu revienne à toi. Et quand tu te mettras debout, commence à le lui dire. Éternel, je me repens aujourd'hui. Afin de devenir ton véritable serviteur. Et pour que tu reviennes à moi. Et je renonce à tout péché. Et toute attitude de ce monde. Je renonce à toutes ces choses. Afin que l'Éternel revienne à moi. Et mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes ceintures. Et commence à le dire maintenant. Frères et sœurs, ceci est un moment important. C'est un moment spécial. Car tu ne sais si c'est aujourd'hui que cela va arriver, ou si c'est demain, ou si c'est une semaine plus tard, ou un an plus tard. Tu ne connais le moment. Pour cela, reviens à l'Éternel. Et répands-toi. Afin que l'Éternel revienne à toi. Si tu te répands réellement, et que tu deviens serviteur de Dieu, alors il aura pitié de toi. Il posera sa main sur toi. Il l'avait fait pour Noé, ainsi qu'à ses enfants, ainsi qu'à ses femmes. Ainsi il le fera pour toi aussi. Alors dis-le lui. Dis-le à l'Éternel. Seigneur, me voici. Je me répands aujourd'hui. Je renonce à tout ce qui est ignoble, toute abomination. Je renonce à elle. Les choses maudites, je les rejette dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'immerge dans le sang de Christ et que le sang œuvre dans ma vie. Seigneur Jésus, secoue-moi ce matin. Que je sois un serviteur de Dieu et que la vie d'un serviteur de Dieu m'anime et qu'une nouvelle chose se passe dans ma vie. Un véritable changement s'opère en moi. Je ne vivrai pas dans le mensonge. Tout ce qui est du mensonge, je l'ai désormais. Que je marche avec l'Éternel. Que je marche avec lui. Prends-moi par la main ce matin. Et conduis-moi par des sentiers droits. À cause de ton grand nom. Oh, je ne prendrai plus des chemins sinueux. Mais je prendrai des sentiers droits. À cause du grand nom de l'Éternel. Je ne
vais point dormir. Je vivrai dans la sainteté. Je vivrai convenablement. Je vivrai pour te plaire. Alors Seigneur, me voici. Pardonne mes péchés. Et lave-moi ce matin. Et nettoie-moi totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le lui. Dis Satan. C'est toi qui s'oppose à moi. C'est toi qui cherches à me détruire. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a sauvé. Mon Dieu m'a sauvé. Il m'a secouru ce matin. Tout mal est sorti de ma vie. Les abominations sont sorties de ma vie. Je suis serviteur de l'Éternel maintenant. Et ses yeux seront posés sur moi. Il tournera sa face vers moi. Et si le monde périt, moi j'aurai la vie éternelle. Je serai sauvé. Mon Dieu, me voici. Que Satan n'est plus d'emprise sur moi. Les sorciers, les magies, toutes les puissances des ténèbres, et qu'ils soient détruits dans ma vie, et qu'elles soient anéanties. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, merci à toi. Et tu es digne de gloire. La légende, pourquoi c'est là, laissez-le, Agbema, voilà, mais gardez, voilà, mais Agbema, voilà, mais gardez, voilà, mais à Foucault, que là, les jadam, pourquoi c'est là, laissez-les, Agbema, voilà, mais gardez, voilà, mais Agbema, voilà, mais gardez, voilà, mais il dit n'a pas peine. Remercie-le maintenant. Dis-lui, Seigneur, tu m'as sauvé. Et tu as répandu le sang sur moi. Le saint sang de Jésus-Christ. Qui a coulé sur le calvaire. Ce matin. Et tu m'as immergé dans ce sang. Et le sang m'a sanctifié. Et je te remercie. Et tu m'as sauvé des difficultés. Et tu m'as délivré des puissants des ténèbres. Et tu m'as introduit dans la lumière. Afin que je marche dans la lumière. Que je marche dans la puissance de Dieu. Que je marche dans la sagesse de Dieu. Et que la connaissance de Dieu m'anime. Pour l'accomplissement de dessein de Dieu dans ma vie. Mon Dieu, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Car tu m'as renouvelé. Merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Et c'est accompli pour moi ce matin. Jésus, merci à toi. Cho nyagbe na wo ko nyevo kwa sede bena na ko agbe ye na vo cho akume me cho nyagbe na wo no kawane chona me cho yagbe lao no kawane chona me cho yagbe lao ko nyevo kwa sede bena na ko agbe ye na vocho akume me cho nyagbe na o no ka wane achona
mais toi yagbe nawo no ka wane achona oh me acho yagbe nawo no ka wane achona. Jésus est en train de te dire, j'ai donné ma vie pour toi. Et j'ai versé mon sang pour toi. Et que me donnes-tu en retour? Et que, qu'est-ce que toi tu fais pour moi en retour? J'ai répandu mon sang. Afin que tu aies la vie éternelle. Afin que tu entres dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que tu m'as fait en retour? Est-ce que tu t'es réellement répandu? Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Répands-toi totalement. Répands-toi aujourd'hui. Pour que le dessein de Dieu se réalise dans ta vie. Que la puissance de Dieu entre en toi. Et voici, c'est le moment. Le Seigneur te le dit. J'ai donné ma vie pour toi. Et j'ai répandu mon sang pour toi. J'ai souffert à la croix pour toi. J'ai beaucoup souffert. Je suis mort pour toi. J'ai été enseveli. Moi qui suis Dieu, on m'a enseveli. Le troisième jour, j'ai ressuscité. Et je l'ai fait pour toi. C'est pour toi, je ne veux pas ta perte. Mais pour que tu aies la vie éternelle. Pour que tu aies assurément la vie éternelle. Alors répands-toi. Car le temps est venu. Abandonne-toi. Afin que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la puissance de Dieu entre en toi. Mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Après toi, Yesu, Wedo Jilo, Tegbe Tegbelo, Wedo Je, Laticho, Galango, Ae, Enseata, Machoase, Aglobe, Alléluia. Osia Anna Apeto Yesu Wedo Jilo Tegbe 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 Wedo Je Laticho Galango Galange Esiata Majose Agbobe Alleluia Osia Anna Alléluia, n'y a ma vie. Alléluia, n'y a Yesu. Alléluia, aïe, alléluia, aoué, osia, ana. Aïe, alléluia, n'y a Yesu. Alléluia, aïe, alléluia, aho, alléluia, ahoi, osia, ana. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te célébrons ce matin. Car tu nous as donné cette opportunité. Et car tu ne veux pas notre perte. Mais que nous devenions tes serviteurs. Tout comme Noé est devenu ton serviteur. Et tu as détruit le monde entier. Mais tu as donné la vie à Noé, à sa femme et à son enfant. Et c'est accompli pour nous aussi. Le dessein de Dieu est manifeste pour nous. Et ce matin, nous te rendons grâce de ce que notre vie a changé. Que tout a changé en nous. Et nous sommes devenus de nouvelles personnes. Et nous marcherons dans cette nouveauté de vie. Et le dessein de Dieu est accompli. La puissance de Dieu est entrée en nous. Merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vika mano. Nekbe gbato na di.
Fikai manon ne wa de sasye aye di sasye ne wa yom kokwe awolo fikai manon ne wa di aye di sasye ne wa yom kokwe awolo fikai manon ne wa di alleluia fikai manon ne pegbato nadi ao fikai manon ne wa di sasye lo Adisasie na wa yame kokweola afika mana na wadi aye adisasie na wa yame kokweo afika mana na wadi haleluya fika mana na pegbato na dila fika mana na wadi sasielo adisasie na wa yame kokweola afika mana na wadi aye disasie na wa yame kokweo fika mana na wadi praise the lord haleluya amen amen nyati mi adukido préparons-nous mais merci mon bonya à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant. Et chantons ce cantique. Venouye. Gapopolade. Venouye. Azak Belassie. Venouye. Nade. Enyeha. Alléluia, gapo pour la dame, venouye, gapo pour la dame, venouye, azak belosye, venouye, nade, enyeha. Notre Dieu, nous te remercions. Gapo pour la dame. L'heure a sonné. Nous chiamons la femme. Et tout se réalise. De miabagbe. Sauve-nous. Parle-nous ce matin dans ta sainte parole. Et que la puissance de Dieu entre en nous. Par la parole. Et accorde-nous la bonne compréhension dans la parole. Le Jésus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous comprenions la parole. Selon que tu l'as défini. Merci à toi. Car c'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Yes, yeah. Nyagbebo lola. Agbebo lola. Agbebolo. Yes, yeah. Nyagbebo lola. Agbebo lola. Amesika di la doma wiakpo Amesika ne la chikoma chiakpo Amesika di la doma wiakpo Amesika ne la chikoma chiakpo Agbebola e yeshe nyagbebolo la e Agbebolo la Agbebolo e yeshe nyagbebolo la e Agbebolo la Agbebola, yes, agbebola, agbebola. Amesi kadila, doma wiakpo. Amesi kanela, chikoma chiakpo. Amesi kadila, doma wiakpo. Amesi kanela, chikoma chiakpo. Agbebola, yes, agbebola, agbebola. Agbebola. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Nous rendons grâce à Dieu. De ce que c'est réalisé aujourd'hui. Que tu puisses entendre directement ce message. Et Dieu accomplit une œuvre spéciale dans la vie de tout le monde. Par cela, sois attentif à cela. Et nous voyons que Dieu amène toutes choses déjà à sa fin. Par cela,
Il a dit à ses anges, allez et parcourez le monde entier. Et examinez le genre humain. Tous ceux qui pleurent, les nukham, qui sont affligés sembla, et qui sont dans la douleur, et faites une marque sur eux. Ainsi, quand viendra le désastre, qu'ils ne soient pas touchés eux. Praise the Lord. Alléluia. Kade. Miko nye domedui. Et prenez avec vous ma coupe de colère remplie de vin. Et donnez-la à boire à tout le monde. Afin que, une fois bu, qu'il s'enivre et qu'il chancelle. Et qu'il ait de mauvaises pensées. Qu'il pose de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine et qu'elle s'abatte sur eux. Mais ceux que vous aurez marqués, et quand ils vont la boire, ils retrouveront leur lucidité. Ils auront de bonnes pensées. Ils poseront de pas et iront de l'avant. Et le malheur ne les frappera point. Praise the Lord. Alléluia. Et je vais expliquer une ou deux choses à ce niveau. En vérité, la Bible dit ce que nous appelons la coupe de colère, c'est la coupe de colère remplie de vin. Selon ce que Jérémie chapitre 25 le verset 15 a dit. Et ma fia bena, cela veut dire que Dieu dit qu'on donne du vin aux gens à boire. Et il a joué à cela sa colère. Et nos nuits là. Et quand ils vont la boire. Comment? Alors. Ils s'enivreront parce que c'est du vin. Et en hébreu, on l'a expliqué aussi ainsi. Un mot dit shakar. C'est le mot hébreu. Et qu'on donne cette coupe à quelqu'un ou à l'homme. Mais il a dit encore. Et qui veut dire, un autre mot hébreu qui veut dire boire et s'enivrer. Il y a un troisième mot hébreu. Qui veut dire qu'il va continuer de boire pour qu'il s'enivre. Alors tu peux le lire. Et si tu fais comment faire des recherches et dans les écrits hébreux, tu te donnes aussi le numéro. 7, 9, 3, 7. Voilà la numérotation. Evelia. Seconde chose. 8, 2, 4, 8. Voilà la numérotation. Evelia Nyama. C'est la seconde référence. Et ton lien. Aya Nyabena. 8, 3, 5, 4. Voilà cette référence aussi. Notez autre chose d'aller, tiens, va quoi. Il y a film encore, les Hébreux, ben, moi, quoi, gars. Et note-les, et quand tu feras les recherches, tu retrouveras ces mots. Et au cas où, pour les. Moi, qui ont parlé. Ahamou, de.
boire ce vin et de s'enivrer. Exemple de cas, le gars me connaît Noah et voilà que le demain est Nohamou. Et un des exemples, c'est on le voit dans la vie de Noé. Quand il a commencé par cultiver la terre, il a cultivé sa vigne, il s'est enivré. Yata hebreu bema yosa. Et c'est le même mot hébreu utilisé dans ce contexte aussi. Yata l'encourenti. Alors examine-le. 83. C'est là la référence. Et concernant le cas de Noé, et tu le verras exactement, cette référence. Ok. Novio, frères et sœurs, pour cette raison, Dieu a pris du vin et a joint à cela sa colère. Et pour qu'on le donne au monde et pour qu'ils boivent ce vin. Alors quand ils vont le boire, ils vont s'enivrer avant de chanceler. Mais il y a une malédiction là-dedans. Car c'est des méchants ou ceux qui font du mal. Mais quiconque se répand réellement et qui marche avec Dieu, la colère de Dieu se change en bonheur pour lui. Et c'est ce que la Bible dit. Ok. Praise the Lord. Alléluia. Avio. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera pareillement au jour de son avènement, qui est le temps dans lequel nous sommes présentement. Et il continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Ce sont ces choses que nous voyons, frères et sœurs. Et nous avions vu quelque chose d'important le dimanche dernier qui dit Lot et sa femme. Et quand nous mettons de côté leur fille, c'est 50%. Alors, maman la pave, c'est à coup, on confirmait cette notion de 50% qui dit qu'une partie va mourir et l'autre sera sauvée. Lot est son coup. La femme de Lot est morte. Lot est tiagbe. Et Lot a survécu. Avio. Frères et sœurs. Il est coulé dans une nouvelle vie. Et nous examinons des choses qui sont très importantes et spéciales. Nous avions mis de côté le roi Asa. Mais une des choses qu'il a annoncé, il a dit, cherche l'Éternel. Et cherche l'Éternel durant tout ton séjour terrestre. Afin que tu aies la vie éternelle. C'est très important. David pleure. Et parce que les jeunes sont entrés dans sa vie. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes pour épouse. Et qui ont tourmenté sa vie. Mais David n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché à l'Éternel. Et il pleurait à lui. Qu'il ne le laisserait point. À moins qu'il ne l'ait béni. Et à la fin, Dieu avait secouru David. Alors cherche sincèrement l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et nous voyons des choses qui sont très importantes. Le dimanche dernier, nous avions parlé de certaines choses qui sont très importantes. Et quand nous avons pris un certain exemple, là où le prophète Élisée a envoyé quelqu'un vers le roi d'Israël pour lui dire que les Syriens
se sont soulevés. La baisse Adam Tohovala. Car les Syriens, une fois soulevés, oui, ont tenu conseil et ont dit, nous allons camper par ici et par là. Et Elisha, mon pauvre body, toi fier. Et à Élisée, l'Esprit de Dieu a révélé cela. Et il l'a fait dire au roi d'Israël. Et nous avions examiné cela. Une des choses qu'il a fait dire au roi d'Israël, c'est prends garde. Et nous travaillons donc avec cela. Prends garde à toi, sinon tu seras détruit. Le monde dans lequel nous sommes maintenant, chacun doit prendre garde à lui. Qui que tu sois, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois un grand ou un petit, prends garde à toi, car ce monde n'est pas à toi. Et si je te pose une question maintenant, celui que tu es, ainsi que ton identité, la position que tu as, est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Non. Tu l'ignores. Personne ne sait. Une seule personne le sait. C'est l'Éternel des armées. Et quoi que tu as mis en place tes programmes, que demain je ferai ceci, je ferai tant. Une question. Ceux de l'époque de Noé n'avaient-ils pas mis en place leur programme aussi? Et on planifiait qu'en ce jour, deux jours plus tard, une semaine après, deux semaines après, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous ferons ceci. Ont-ils pu arriver? Non. Car eux tous ont péri. Ce qui va arriver demain, tu ne sais rien à ce sujet. Et pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. C'est pour cela que nous examinons cela. Retournons dans Amos avant de continuer. Le chapitre 8. Amos chapitre 8, le verset 9. Il dit, allez après toi, Yehovah, glossi. L'un que ma me la. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sac tous les reins. Et je rendrai chauve toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et nous, nous, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel dit que la famine vient. Les ténèbres aussi viennent. Et pourtant, nous vivons déjà dans la maladie. Ok. Et il mis le port. Et nous voyons la famine et les ténèbres qu'elles arriveront. Et une partie sera la faim physique. Et tu ne trouveras pas à manger. Et l'autre partie sera une faim spirituelle. Tu ne trouveras plus la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va te secourir, tu ne la trouveras plus.
Viviti. Les ténèbres maintenant. À quoi finissent aussi deux parties. À quoi bando? La première partie. Aigne. Mutilama viviti. Représente les ténèbres physiques, matérielles. Avio. Frères et sœurs. Minam viviti minam. Les ténèbres engloutissent. Minam abetan. Engloutissent comme un serpent. Abo fondriban. Et comme le dragon. Avio. Frères et sœurs. Viviti. Les ténèbres. Mutilama tema. Voilà ce qui est physique. Le bagbametola. Maintenant sur le plan spirituel. Et anyebena. Ano mak. C'est que tu ne trouveras plus rien de bon dans ta vie. Dans ta tête, il y aura des ténèbres. Et tu ne comprendras plus rien. Et pour ta perte, frères et sœurs, c'est là où nous sommes maintenant. C'est à ce niveau que nous sommes. C'est juste un rappel. Et nous sommes arrêtés sur un point important. Le Moussa ton lien. Dans Deutéronome, le chapitre 29. Et retournons là-bas maintenant. Et voyons ce qui s'y trouve. Deutéronome, chapitre 29. La dernière fois, nous avions commencé avec le verset 18. Alors nous allons le parcourir à nouveau. Il dit, Le verset 19, Louis II. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise ne me sejim le yim ha munya afa o. J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Dieu dit ne t'endurcis pas. Prends garde. Ne t'endurcis pas pour dire que même endurci en y allant que tu auras la paix. Ne le fais pas car tu ne peux contester avec l'Éternel des armées. Il continue. Et que j'ai la sien haut. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Surtout toi qui es enfant de Dieu. Ne t'endurcis pas. Sinon, quand on fera périr les méchants, tu périras aussi. C'est pour cela que Dieu te dit ne le fais pas. Car tu vois que rien ne frappe les méchants. Ils sont dans le monde ainsi. Ne considère pas ainsi la chose de cette manière. Car il y a un temps pour toute chose. Le méchant aussi, peut-être, si par la grâce de Dieu il se répand, il peut être sauvé. Continuons. Le verset 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Que bon abi de mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Oui. Et toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Ce n'est pas une simple affaire. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël. Et selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Nous avons déjà lu cette partie le dimanche dernier, donc je parcours simplement.
le miamegbe le dububu metou si ocho anyigba di dioji ko anyigba sia pe fu amewo le dolele tu yehoa reva eji. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. Si tu invoques Dieu aujourd'hui et que tu vas à l'église aujourd'hui, mais tu ne prends pas soin de ta personne et que le mal t'est arrivé, alors comment est-ce que tes enfants comprendront cela plus tard? Comment les gens viendront de loin et pour le saisir? Sois attentif à cela. À la vue du soufre, du sel et de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semences ni produits, ni aucune herbe qui croisse, tu ne peux croître. Tu ne peux te développer. Tes projets seront inachevés. Tout sera détruit. Examine bien ces choses. Et prends garde à toi. Et qu'aucune herbe ne puisse y pousser. Car ta terre est maudite. Et rien ne se déroule bien dans ta vie. Examine ta vie. Et change tes attitudes. Prends garde à toi. Abe Sodom et Gomorra, Adma, Ple, Zeboyim, si on y a roi, do domedui, petikudo, retrobu ani enela. Et comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tcheboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Et Kema, wafonou le. Alors on en parlera. Et on dira. La parole de Dieu dit qu'il y a des exemples. Et c'est celui de Sodome et de Gomorre. Et qui reproduira la même chose. C'est ce que l'Éternel nous dit à toi et à moi. Et toutes les nations diront. Nous kanti yehuwa anyibasi alea. Et pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Et pourquoi cette colère qui est grande? Et pourquoi cette grande colère? Tous se le diront. La colère de l'Éternel, elle est ardente et personne ne pourra l'apaiser. Que cela te soit clair. Nous continuons donc aujourd'hui. Allons dans Jérémie, le chapitre 13. Et à partir du verset 15, et voyons quelque chose. Il dit. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes maintenant, l'Éternel dit que personne ne soit orgueilleux. Nous vivons les temps du coronavirus. Quiconque est orgueilleux, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois un ouvrier, quel qu'il soit celui-là que tu es, que tu sois un grand, l'Éternel dit que personne ne soit orgueilleux. Ah oh, non. Frères et sœurs, car le temps dans lequel nous sommes est effroyable et personne ne comprend rien du tout. Tu peux être un médecin. Ne te vante pas d'être médecin. Parce que les médecins aussi meurent. Et c'est sans précédent. Dans presque tous les pays, les médecins meurent.
Et nous devons comprendre aussi qu'aucun médecin n'a de pouvoir sur quelque maladie que ce soit. Et en réalité, ce n'est pas que les médecins font pression sur la maladie ou qu'ils piétinent la maladie. Que non, tu n'as pas ce droit. Non. Les médecins, ce qu'ils font, je vais en parler sommairement, c'est que ils donnent des produits à la personne, les médicaments. Et les médicaments renforcent son système immunitaire. Voilà. Il n'y a aucun médicament qui attaque une maladie ou un virus directement, non. Jamais. Il n'y en a pas. Le système immunitaire de l'homme. Et c'est ce qui est renforcé par les médecins. Parce que quand il y a une maladie, le système immunitaire est affaibli. Et on le renforce. Et ainsi doucement. Pour voir s'il peut l'emporter sur la maladie. Et c'est ce qui se passe. Cela veut dire tout simplement que l'Éternel des armées, c'est lui qui guérit. Aucun médecin n'a jamais guéri qui que ce soit. Pas du tout. C'est l'Éternel. Alors il demande à ce que personne ne soit orgueilleux. Il y a eu des pasteurs orgueilleux. Oh, Jésus-Christ est mien. Mais Jésus-Christ est pour nous. Mais que dit la maladie? Le coronavirus, il est quoi? Que dans le nom de Jésus, certains d'entre eux sont déjà morts. Ils sont tombés malades et ils sont morts. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un certain temps. Et ce n'est pas une simple affaire. Et sois attentif à la parole. La Bible nous dit, car l'Éternel parle, verset 16, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres. Rends gloire à l'Éternel dans ta vie. Que toute ta vie soit à l'Éternel. Et parce que les ténèbres arrivent, tes comportements, ton langage, tes démarches, et qu'il glorifie l'Éternel. Et laisse de côté la vie de mensonge. Toute mauvaise vie, tu dois t'en débarrasser. Et rejette-les loin de toi avant que les ténèbres arrivent. Continuons encore un peu et voyons. Hafi. Avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. La Bible dit que quand viendront les ténèbres, ainsi plusieurs vont se heurter aux montagnes des ténèbres de la nuit et tomberont. Cela veut dire tout simplement qu'ils auront des problèmes. Il y aura des événements fâcheux dans leur vie et ils ne s'en sortiront pas. C'est pour cela que tu dois consacrer toute ta vie à l'Éternel des armées. Que Jésus-Christ demeure en toi. Tout ce qui est caché, tout ce qui est ignoble, et fais-le sortir de ta vie. Ainsi, quand Jésus est en toi, cela veut dire que la lumière est en toi. Alors, quand viendront les ténèbres, tous verront ces ténèbres. Frères et sœurs, l'Égypte est là. En Égypte, Moïse avait vu ces ténèbres, mais il les avait traversées. Et parce que la lumière de l'Éternel des armées était en lui. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire ici.
Mais si tu n'as pas en toi la lumière, et quand tu vas traverser les ténèbres, tu vas heurter contre une montagne tombée et tu seras détruit. Beaucoup de choses arriveront. Il y aura une grande détresse. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, tu as la lumière en toi, alors il te montrera le chemin par où passer. Praise the Lord. Alléluia. Et vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort et la réduira en obscurité profonde. Tous s'attendront à la lumière, mais les ténèbres viendront. Tout le monde va s'attendre à la joie. Mais c'est l'amertume qui viendra. La vie amère, ce n'est pas une simple affaire. Tous attendront le salut. Mais non. Que de malheur. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le temps dans lequel nous entrons, c'est ce qui va se passer. Et les événements vont se succéder. Alors quel pas vas-tu poser? Et qu'est-ce que tu vas faire? Car le temps arrive à terme. On te demande de louer et de célébrer l'Éternel. Cela ne veut pas dire que tu vas le dire tout simplement et verbalement, non. Tes démarches, ta conduite, ton langage, tous tes comportements doivent rendre gloire à l'Éternel. Alors quand arriveront ces choses, toi tu les traverseras en toute sûreté. Praise the Lord. Alléluia. Allons dans Hébreux chapitre 12. Le verset 25 et 26. Verset 25. Gardez-vous. Le temps dans lequel nous sommes, chacun doit prendre garde. Car ce n'est pas une simple affaire. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Ce qu'on te dit dans la parole. Oui. Prends garde et de l'écouter. Élisée a fait dire la parole de l'Éternel au roi d'Israël. Prends garde à toi. Ce que je t'ai annoncé, tiens compte de cela et garde-toi. La parole dit et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous? Nous, nous ne pouvons échapper. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, nous ne pouvons point nous échapper. Et il dit, il continue. Et si nous nous détournons de celui qui a parlé du haut des cieux, est-ce que tu vois? On dit, si nous laissons tomber la parole de Dieu et nous refusons de la mettre en pratique, alors nous rejetons Jésus ainsi. Nous sommes en train de sortir de lui. Et pourtant, en lui seul demeure la lumière. Et s'il est en toi, la lumière est en toi. Mais parce que tu as rejeté sa parole, tu es sorti de lui. Lui aussi est sorti de toi. C'est pour cela que les ténèbres sont en toi. Alors qu'est-ce que tu vas trouver? C'est sans précédent. Continuons et voyons. Amen. Vous
Lui dont la voix alors ébranla la terre. Que azola edongbegbobe. Asuso ashedeka. Et menya anyigba de deku ma vuvu o. Kabun jipuhain. Et qui maintenant a fait cette promesse? Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et il a fait ébranler la terre également. Et la terre était remplie d'eau. Et plusieurs sont morts dans le monde entier. 8 seulement ont été sauvés. Aidés. Que maintenant, ce ne serait pas seulement la terre qui va ébranler, mais il va ébranler aussi le ciel. Et le soleil va tomber. Les étoiles tomberont. Les étoiles et la lune tomberont. Ce n'est donc pas une simple chose qui va arriver. Pas du tout. N'écoutons pas tout simplement ces paroles ainsi. Jamais. Car c'est quelque chose. Pour cela, on nous a dit, prenez garde. Nous sommes en train de moudre cette parole. Deux Rois chapitre 6, nous sommes en train de le moudre. Maintenant, nous avons fini la première. Retournons et reprenons avec le verset 10. Deux Rois chapitre 6, le verset 10. Allons là-bas. Et sois attentif et comprends-le. La parole dit, Élisée a fait dire au roi de prendre garde. Que ce qu'il lui a dit, que les Syriens ont campé ici et là, et de prendre garde à lui. Essayons de voir maintenant si le roi d'Israël a vraiment obéi à l'homme de Dieu. C'est là où nous allons être aujourd'hui. Nous avons fini de voir, prends garde. Et dans plusieurs aspects de cela. Maintenant, le verset 10. Il dit, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Je voudrais que tout le monde qu'on revoie ceci et pose-toi cette question. Que le roi d'Israël avait-il vraiment obéi à ce que Élisée lui a dit? Car quand il a entendu la parole, la Bible dit, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, pour qu'il aille voir tous ces lieux signalés. Car Élisée a dit que les troupes syriennes campent dans ces lieux. Frères et sœurs, le prophète Élisée, il n'était pas parti chez le roi syrien. Et quand le roi de Syrie et son armée et ses généraux étaient en conseil, Élisée ne faisait pas partie de ce conseil. Élisée n'a pas été invité en ces termes. Nous allons tenir conseil demain, viens. Élisée n'y était pas.
Il était chez lui à la maison. Il était dans sa chambre. Mes frères et sœurs, il était dans ce conseil. Mon frère, ma sœur, nous arrivons dans un certain temps. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand nous voyons cet exemple, et pour réexaminer notre propre vie et de voir quels sont les pas que nous posons. Par cela, et donnons-lui cet attribut ou ce nom, les voix de l'homme. Oui. Quelle est la voie que tu prends? Et quel est le chemin que tu prends? Et quels sont les pas que tu poses? Et quand on t'annonce la parole de Dieu, écoute-moi bien. Ainsi, nous avons vu que le roi d'Israël est passé par un chemin, a posé un certain pas. Nous allons le voir tout à l'heure. Que le pas qu'il a posé, le chemin qu'il a pris, est-ce ce que Élisée lui a dit? Je te prie, sois attentif. N'allons pas nous presser. Et on va y aller doucement. Et quelque chose se passe ici. Que penses-tu que le roi d'Israël va dire avec ses serviteurs? Les chefs de son pays, eux aussi tenaient conseil. Et Élisée a fait dire cela au roi. Et lui a dit, garde-toi. Et nous l'avions vu la dernière fois. Que dire à quelqu'un, garde-toi. Que c'est comme si c'est injurieux. Oui. On peut dire tout simplement, prépare-toi. Et fais vite. Examine bien les choses. Mais il a dit, garde-toi. Oui. Oui. Et cela pouvait faire bouger le cœur du roi. Et cette parole peut faire trembler le cœur des grands. Mais c'est quoi donc? Et pour que Élisée nous envoie ces gens de parole, le roi et le président, Élisée parle ainsi au roi. Mais c'est quoi? Par cela, on dira au roi, sais-tu, aujourd'hui, nous allons entreprendre certaines démarches ou poser un certain pas. Élisée, il se comportait ainsi depuis. Et s'il y a quelque chose, dit que c'est lui. Et il parle sans retenue. Et il s'exprime de cette manière. Par cela, c'était une guerre, Élisée n'était pas parti voir ces lieux. Mais il nous a indiqué certains lieux tout à l'heure. Que les troupes syriennes campent là-bas. Comment a-t-il su cela? Nous, nous sommes les soldats. C'est nous qui sommes sur le champ de bataille. Si c'était nous qui disons cela, on pouvait le comprendre. Nous avons des espions. Nous avons des caméras. Nous saurons ce qui se passe. Mais Élisée, lui, dans sa chambre, il sait déjà qu'il y a telle chose dans tel lieu. Roi, nous allons envoyer des gens pour qu'il aille vérifier ce que Élisée a dit. Frères et sœurs, s'il te plaît, écoute-moi. Les voix de l'homme ou les pas de l'homme. Oui. Par cela,
Il a envoyé des gens, les observateurs. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont et qu'ils ne trouveront personne, ils iront directement chez Élisée. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent le mettre en prison. Parce qu'il a dit au roi, garde-toi. Frères et sœurs, souviens-toi que la Bible a dit, pas une fois, pas deux fois. Cela veut dire que peut-être c'est trois ou quatre ou cinq fois. Parce que partout où il mettait les troupes, les soldats, et Élisée disait leur position au roi d'Israël. La question est celle-ci maintenant. Comme le roi d'Israël a envoyé une fois les gens et que c'était vérifié, et quand on lui a annoncé cela une seconde fois, est-ce qu'il devait envoyer encore des gens? Non. Au moins le premier était vérifié, mais il a envoyé encore des gens. La troisième fois également, la quatrième fois également, et il a toujours envoyé des gens. C'est pour cela que la Bible a dit pas une ou deux fois. C'est pour une certaine raison que on a dit les choses ainsi. Les pas que tu poses, et comment est-ce que tu les diriges? Est-ce que tu les engages dans la voie de Dieu, ou tu ferais ton propre chemin et que tu empruntes? C'est bon. Allons dans Thessaloniciens 2, 2 Thessaloniciens. Oui. Et nous allons voir quelque chose d'important là-bas. Le chapitre 2. À partir du verset 3. La Bible dit quelque chose ici. Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit. Migana amadek na blemi. Le monde crédit. Et que personne ne vous séduise d'aucune manière. Là où nous arrivons maintenant, ne permet à personne de te séduire. Car Dieu va t'envoyer sa parole. On te dira la parole. Tout comme je la prêche maintenant. Quelqu'un te dira non. Laisse tomber cette parole. C'est trop. C'est ça. Trop. Oui. Yolo. D'accord. Mais gardez-moi, madé, kenable. Ne permet à personne de te séduire. On te dit, prends garde. Prends garde. Si le roi d'Israël avait réellement confiance en Élisée et qu'il croyait en lui, qu'il est véritablement un homme de Dieu et qu'il était déjà homme de Dieu et il accomplissait des prouesses depuis. Et ce que Élisée a dit, le roi d'Israël ne devait envoyer personne pour vérifier. Il allait croire en lui et dire à ses soldats, Élisée nous l'a déjà dit. Et parce que Élisée a la vision de Dieu, Élisée a les yeux de Dieu dans ses yeux, Dieu a déjà révélé la chose à Élisée. Et ce que Élisée a dit, et c'est ce que je ferai. Mais le roi d'Israël a envoyé des gens vérifier et toutes ses positions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écoute bien. Frères et sœurs, nous sommes en train de montrer ceci. Nous sommes en train de le montrer. La Bible dit, ne permettez à personne de vous séduire. Et car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Écoute bien. La Bible dit, le Seigneur ne viendra pas
La Bible dit, le royaume des cieux. Et pour l'enlèvement, quand on va enlever les gens, on dit, le Seigneur attend. Il ne viendra pas. Et pourquoi? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie doit arriver d'abord. On dit ceci, cette parole est adressée à qui? On ne l'adresse pas aux gens du monde. Elle est adressée aux chrétiens. Cette parole est adressée aux enfants de Dieu. Le Seigneur ne viendra pas pour enlever quiconque jusqu'à ce que l'apostasie arrive auparavant. Frères et sœurs, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'allégresse. Et nous chantons plus, louons le Seigneur et nous disons Alléluia. Et Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Oui, Jésus. Merci. Merci. Mais celui qui dit ces choses, et cette bouche qui dit ces choses, quelles sont les dispositions de son cœur? Est-ce qu'il le dit parce que les gens sont là? Ou parce qu'il a donné réellement son cœur au Seigneur? Dieu sait toutes choses. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne viendra pas jusqu'à ce que chaque enfant de Dieu qui est menteur parmi les enfants de Dieu soit des apostats. Et quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Et ce n'est pas une simple affaire. Crow. Pas du tout. Viens voir. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Frères et sœurs, si nous sommes dans le temple, certain dimanche, et que Jésus-Christ paraît, et que tous savent que c'est Jésus, et il dit, je suis là pour emmener mes enfants. Alors tout ce que je vais prendre, selon que Jésus-Christ ressuscita des morts, et 40 jours après, il est parti au ciel. Les disciples étaient là quand il est reparti. Il dit, de cette manière, je vais procéder. Alors il entre dans le temple. Une question. S'il entre dans le temple de prière des enfants de Dieu, et qu'il commence par faire ses tris, je me prends comme exemple, et qu'il arrive à mon niveau et il ne me prend pas comme faisant partie des gens, et il a juste choisi deux ou trois personnes, qu'est-ce que le reste va dire? Oh Jésus, mais c'est notre pasteur, c'est lui qui nous prêchait la parole de Dieu, et tu ne vas pas avoir pitié de lui? Jésus, aie pitié de lui. Et c'est ce qu'ils vont dire. Je me prends comme exemple. S'il te plaît, nous atteignons un certain niveau. Ce que Dieu va faire, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Frères et sœurs, quel est le chemin que tu prends? Tout chemin que je prends, Dieu le connaît. Et si je viens toujours me tenir sur le podium et prêcher, et une fois le culte fini, je m'adonne à l'adultère, je m'adonne au vol, je pratique le mal, je pratique le mensonge, je bois de l'alcool, et je vis dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Dieu le sait. Alors quand il va venir, s'approcher pour venir à mon niveau, il va dévier et aller vers un autre et les choisir. Et devant nous tous,
Dehors, ils vont se lever dans les cieux et partir. Et le reste, nous allons rester ici. Ainsi, donc, c'est pour cela que Dieu ne va pas procéder de cette manière. S'il te plaît, écoute-moi bien et comprends quelque chose. Il ne va pas procéder ainsi. La Bible dit, il attend. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, nous le fils de la perdition, les comportements, les événements vont le faire paraître. Toute vie que tu mènes, tes comportements, les événements vont te faire paraître avant que ce jour arrive. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes maintenant, quelque chose se passe. Les choses vont arriver pour faire paraître tout ce dont le cœur n'est pas attaché au Seigneur. Et pourtant, ils l'expriment de leur bouche. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. On va faire paraître tous ces gens-là par les événements. Frères et sœurs, et continuons encore un peu, voyons. L'adversaire qui s'élève de nous si à nous, si au yonab maou, allons nous si au subonaladi. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Vois-tu ce qui est dit ici? L'adversaire qui s'élève. Adversaire, oui. Adversaire. Oui, pour le français, ça s'explique bien. Cela veut dire celui qui, dans son cœur, s'élève contre la vérité. Écoute-moi bien. Celui qui s'élève et s'oppose contre la vérité dans son cœur. Mais il se présente. Ça va. Et il dit, c'est bon. Ça va. C'est bon. Et une fois le culte fini, il s'adonne à autre chose à la maison. S'il te plaît, écoute-moi bien. Dieu sait toutes choses. Frères et sœurs, le monde tend vers sa fin. C'est pour cela que Dieu m'a donné ces paroles pour te les annoncer. Et il s'élève comme s'il est un grand. Mon frère, ma soeur, si on t'envoie tout à l'heure pour que tu ailles et chercher ou identifier les grands dans les églises, je ne parle pas des gens du comité, ceux qui sont de grands croyants, des hommes pieux, de grands prédicateurs. Et tu vas marcher, et tu vas droiter celui-là. Car, quand il est devant toi, non. Et oui, la parole de Dieu, nous devons la dire. Je le crois, j'y crois. Et j'ai appelé Dieu la dernière fois. Et le miracle s'est produit. Et quelqu'un va dire Alléluia. Et d'autres louons le Seigneur. Frères et sœurs, nous toutes ces choses se passent tous les jours. Au milieu de tous les enfants de Dieu partout. Écoute-moi bien. Et comprends ceci. La Bible continue en disant. Et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Cela veut dire que tout ce que Dieu a dit, s'il voit que c'est trop difficile,
que lui ne peut y arriver. Mais devant tout le monde, il va dire que c'est bon, c'est bon. Mais une fois parti, il va faire autre chose. Il se lève ainsi contre Dieu. Allô, nous si, au subona la di, ne nembena au bobono anide maufelam. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Il est assis dans la maison ou dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Comment comprend-on cela? Dieu nous a créés, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour être des dieux. Oui. Alors chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau est comme Dieu. Oui. Cela, il est assis dans la maison de Dieu et comme un Dieu. Oui. Et c'est ce que la Bible dit. Alors chaque fois, frères et sœurs, partout, pour le programme, il n'est jamais en retard. Oui, oui. Tout ce qu'il doit faire, il le fait. Mais dans sa vie privée, il fait autre chose encore. Mon frère, ma soeur, c'est cela. Mais quand on demande que les enfants de Dieu viennent, il est parmi les enfants de Dieu. Frères et sœurs, je ne fais exception de personne. C'est pour cela que je me suis pris comme exemple. Quand on parle des pasteurs, alors le pasteur te pose et vient se tenir. Oui, que moi aussi je suis un pasteur. Et comment est-ce qu'il vit, ce pasteur? Quelle est sa conduite? Qu'est-ce qu'il fait en cachette? Quels sont les pas qu'il pose? Est-ce là qui fait de lui un enfant de Dieu ou qui fait de lui un menteur? Quel est le mal qu'il fait? Mon frère, ma soeur, voilà tout. Et Dieu ne regarde à personne. Non. Il ne voit pas ta grandeur. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Non. C'est pour cela que la Bible dit que les événements feront apparaître tout le monde. Ce que tu es, si tu appartiens à Dieu ou pas, on te fera apparaître. Les événements, les états de choses te feront paraître totalement avant que la fin n'arrive. Viens voir. Le verset 5. Allô, de mien don quoi j'y bena, esime me galé mi agola, me blonusiona mi oa. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul le blonne Thessalonica tobena. Paul dit aux Thessaloniciens. Esime wale mi agola, me blonusiona mi. Pendant que j'étais toujours avec vous, je vous ai dit ces choses. Dieu m'a révélé ces choses et je vous les ai annoncées. Et c'est ce que je te dis à toi aussi aujourd'hui. Frères et sœurs, le roi d'Israël, ce jour-là, révélait que et qu'il ne considérait pas Élisée et qu'il ne mettait pas la parole de Dieu en pratique. Et pourquoi va-t-il me dire, garde-toi? Comment? Et le roi d'Israël a commencé par poser des pas. Et il le manifestait. Qui est-il réellement? Frères et sœurs, Dieu voyait tout et sais-tu. Si le roi d'Israël était un homme pieux, il allait s'asseoir et prier Dieu merci. Car tu as révélé ceci à Élisée. Et il me l'a dit, merci à toi. Dieu, je te loue, je t'élève. Continue. Et tout ce que planifie l'ennemi, révèle-nous par Élisée. Oui. Et que cela continue ainsi. Voilà. Mais il ne l'a pas fait. Pas du tout. Nous sommes en train de montrer. Nous continuons de montrer. On ne va pas se presser. Viens voir.
Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui le retient. Que le Seigneur ne paraîtra pas maintenant. Et pourquoi? Il attend que les événements fassent apparaître tout le monde. Je vais dire ce point d'abord. La question est celle-ci. Nous, Kata, le détubi, le détubi, la forme, fait un béton sur la lame là. Et pourquoi est dans l'attente de l'époux concernant des divierges? Un béton sur la lame là. L'époux a attendu longtemps. Il n'est pas vite arrivé. J'aimerais te dire, c'était pour une raison que l'époux n'est pas vite arrivé. Et parce que Jésus-Christ parlait au sujet du royaume des cieux. Par cela, il a dit que le royaume des cieux est semblable à ces dix vierges. Cinq sont sages et cinq sont folles. Les sages ont pris une lampe avec de l'huile en réserve. Les folles aussi en avaient pris et sans avoir pris de l'huile en réserve. Pour cette raison, le Seigneur attend et que l'huile qui est dans le réservoir des lampes qu'elles ont prises, que cette huile s'épuise, afin que les folles qu'on fasse apparaître celles qui sont folles. Mon frère, ma soeur, Dieu a des choses à dire. Dieu est profond. La sagesse de Dieu est profonde. Qui es-tu? Et pour séparer les vierges, qu'est-ce que tu vas dire et qu'elles ont fait? Elles toutes étaient des vierges. Aucune n'a commis adultère. Oui. Mais il y avait cinq folles parmi elles. Oui. Et elles toutes étaient ensemble. J'aimerais te faire savoir aujourd'hui que l'église de Christ est partout. Il y a des sages et il y a des insensés aussi. Oui. Voilà. Et ils sont tous dans le même lieu. La seconde chose. Pour cela, et Dieu ne veut pas prendre quelqu'un qui est insensé ou une folle et l'amener dans le royaume de Dieu. Jamais. Dieu dit que les insensés n'entreront pas dans ce royaume. Pour cette raison, l'époux a attendu. Il a attendu. Jusqu'à ce que la première huile ne s'épuise. Quiconque reçoit Jésus vient voir l'allégresse. Ils sont dans l'allégresse et le loup. Et ils viennent de recevoir nouvellement Jésus. La question est celle-ci. Et quand les épreuves vont venir, et quand les tentations vont arriver, continueras-tu à garder ton Jésus? Dieu attend que ces événements arrivent dans ta vie d'abord. Et vois ton état d'esprit. Voilà tout. Ainsi comme l'époux a tardé à venir avant d'arriver, elles toutes s'étaient endormies et on cria, l'époux arrive, et elles se réveillèrent toutes et les lampes étaient éteintes. Alors les sages ont pris leur huile en réserve
Et pour les mettre dans le réservoir de la langue. Hey, et les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Elles répondirent non. Et cela ne va pas nous suffire à nous et à vous. Allez en acheter rapidement. Et quand elles sont parties, elles ont quitté. Aussitôt, le Seigneur est venu. Et voilà ce qu'il attendait. Qui ne va pas mettre des folles ou des insensés dans son royaume. Je te prie. Tu es enfant de Dieu. Tout le monde sait que tu es enfant de Dieu. Dieu le sait également. Et l'époux savait qu'elles sont toutes des vierges. Il le savait. Mais elles avaient quelque chose en elles. La sagesse. Et la folie. Il y a quelque chose dans ta vie. Travaille à cela rapidement. Et si tu n'y travailles pas rapidement, tu vas savoir que tu resteras à mi-chemin. Et tu seras détruit. Et Dieu attend que ces événements arrivent. Et ce qui est en toi va apparaître. Oh, non, vigne, n'y a gaillot. C'est une grande affaire. Je ne vais pas me presser. Oui, pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Elle est bonne. Et tu dois t'efforcer. Et je vais te dire quelque chose. Je le laisse. Je vais attendre d'abord. Oui. Okay. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Là où nous arrivons, c'est quelque chose. C'est sans précédent. C'est pour cela qu'on dit le verset 7. Et là-bas, c'est dit mort. Et car le mystère de l'iniquité agit déjà. Écoute bien. L'iniquité, son mystère, agit déjà. La folie, son mystère, elle est agissait dans ces cinq depuis. Oui. Je te prie. Ce qu'elles décident, c'est ce qu'elles font. Mais c'est quoi toutes ces lois, ces ordonnances demain, c'est telle loi, après demain, c'est telle loi, et pourquoi? Je suis fatigué. Laissez-moi respirer un peu. Est-ce vrai? Allez-y. Alors, d'accord, continue. Allez-y. Dieu te voit. Il sait ce que tu fais. Il sait. Avio. Frères et sœurs, je te l'avais déjà dit, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Dieu sait que tu y vas. Dieu sait que tu n'y vas pas. Parce qu'il sait tout. Pour cela, il fera en sorte qu'un événement vienne pour faire paraître les choses. Ce qui est en toi. Parce que c'est là le mystère de l'iniquité. On dit qu'il agit déjà. Et ce n'était pas la première fois que ces cinq folles, ces cinq vierges folles ont agi dans l'iniquité. Ce jour-là, c'est ce qui a été révélé. Et elles ont raté. Et elles ont péri. Elles ne sont pas entrées dans le royaume. Et pourtant, elles étaient des chrétiennes. Elles étaient des gens pieuses.
des gens pieux. Elles étaient fréquentes dans les temples. D'accord, Roma. Mais les voilà. Fakoda. Viens voir. Et puis, il y a drama pour moi, d'accord. Le verset 7 n'est pas encore fini. C'est dit, maman, pour n'y aller là. Le droit, nous, c'était coucou. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. De quoi le peu, ou à des âmes, si le mochem va se fifi là-da, le mot la djihafi. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. À quoi? Vois-tu? Mais quel est le mochem? Qui le retient? Après toi, là. Le Seigneur. Nous, quand tu as le mochem, d'où? Et pourquoi le retient-il? Je suis bon à. Pour que peut-être il va se repentir. Oui. Oui. Attends-toi. Peut-être tu peux te repentir. Tu as fait cela aujourd'hui. Et dit j'attends encore. Tu répètes demain et dis j'attends encore. Ces cinq folles vierges faisaient certaines choses. Et disaient bon, ça va. Et Dieu donnait encore du temps. Mais quand la dernière heure est arrivée, elles ne savaient pas, elles n'ont pas su. Elles ont fait la même chose. Elles étaient décidées en elles. Qu'elles ne peuvent pas déjà avoir une lame dans la main et prendre en réserve de l'huile et n'avoir pas une main libre. Mais c'est quoi tout ça là? Et chaque fois avec ces lois rigoureuses. Allons-y. Frères et sœurs, et ont tout fait entre les cinq pour partager cela. Je voudrais te demander, et quelles sont les paroles que tu partages avec les autres? Qu'y a-t-il entre vous et que vous partagez? Ce que vous savez est réellement qui n'est pas conforme à ce qu'on vous prêche tous les jours dans les temples. Mais toi, avec ces autres, vous gardez cela entre vous. Ne le dis à personne. Est-ce vrai? Ne crains pas. Le temps arrive à terme. L'événement arrive déjà. Ce qui viendra te faire paraître, il te fera paraître. Et te détruit. Ces cinq folles, les vierges, elles furent détruites ce jour-là. Et le royaume ne les a pas accueillies. Frères et sœurs, nous allons quelque part. Élisée a dit au roi d'Israël, prends garde. Il voulait juste voir que ce que Élisée a dit est faux. Écoute-moi bien. Continuons encore un peu. Et alors paraîtra l'impie. Et que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Est-ce que tu vois? La parole dit que Jésus n'est pas encore arrivé. Il attend encore. Pour voir si tu peux te repentir. Pour voir si tu peux te débarrasser de cette attitude. On n'est pas en train de dire que tu commets adultère, que tu commets la fornication, que tu voles. Non. Regarde ces vierges. Elles n'ont pas commis adultère. Elles n'ont pas volé. Rien de tout cela. Mais réserve, elles n'ont pas pris de l'huile en réserve, tout simplement. Je t'avais enseigné de diversifier tes choses. Diversifie tes activités. Ne
Si tu diversifies, parce que celui dans lequel tu te trouves aujourd'hui, demain cela n'agira plus. Ce que tu as diversifié, c'est lui qui prendra effet. Mais si tu n'as pas diversifié tes choses, ce que tu as, quand il va s'arrêter, c'est que tu es détruit. Cet événement te fera apparaître et tu te mettras en colère. Et tu vas tenir des propos et tout est détruit pour moi. Mais c'est quoi? Je vais à l'église et Dieu n'a rien fait pour moi. Non, toi-même, et tu as été insensé et tu n'as pas diversifié. Et parce que tu n'as pas diversifié, le temps est arrivé. Frères et sœurs, encore bientôt, si tu ne diversifies rien, et tu verras que rien n'évolue, rien ne sera effectif. Mon frère, ma soeur, je te l'avais déjà dit depuis longtemps. On t'a pris dans une société, tu travailles. Les banques. Tu es à la banque. Adorama. Tu travailles à la banque. Le projet Gangagaoma. Dans de grands projets. Diversifié. Parce que bientôt, le travail que tu fais reviendra à zéro. Maintenant, demande aux Américains. Tous ceux qui sont dans le chômage maintenant, ils sont plus de 4 millions d'ailleurs. Oui. Et plusieurs entreprises ont fermé. Diversifie donc. Je te le répète constamment. Diversifie. Nous allons quelque part. Le monde n'est pas à toi. Le monde ne t'appartient pas. Jamais. C'est l'Éternel qui a établi ces choses. C'est pour cela qu'il me l'a révélé. Et je te le dis. Et tu n'en tiens pas compte. Quand ces conséquences vont arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Mais appelez-moi le pasteur Toupa, pasteur. 22-22-21-60. Voilà, 22-22-21-60. Allô. Oui. Avec des pleurs. Je meurs, je suis en train de mourir. Fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire encore? Rien. Il n'y a rien que je puisse faire à nouveau. Diversifie, tu refuses. C'est fini. Je te prie, écoute bien. Je sais que je ne peux atteindre le niveau prévu. Mais ce n'est pas grave, c'est bon. Frères et sœurs. La Bible nous le dit. Le Yesu. Là où il faut nous et va tu peux avoir peur de la main. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ est détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La Bible dit Amama pouvava mikpi achekelia verset 9 l'agneau de Satana. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Écoute bien, comprends ceci. Elle va me recouvrir. Cela arrive déjà. Satan. On dit Satan. Elle est blogue. Il va te séduire. Et tu vas courir après ceux que tu ne dois pas suivre. Parce qu'ils accompliront des prodiges. Qui seront des signes mensongers ainsi que des miracles
Ils feront beaucoup de miracles. C'est quoi des? Mais n'y a pas d'apatio kakayo. Sans savoir que c'était du mensonge. Apatio kakayo. C'est du mensonge. Mais n'y a pas. Et tu ne le sauras jamais. D'autres nuits. Écoute-moi bien. Parce qu'on a fait un miracle. On a ressuscité un mort. Et alors? Ce qu'on dit, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, non. On viendra et on fera paraître toutes ces personnes-là. C'est Dieu qui permet que ces miracles se produisent. Et pourquoi? Pour faire paraître tous ceux qui ne sont pas de véritables croyants. Et tu seras étonné. Ces miracles se manifesteront afin que les insensés qu'ils paraissent. Ceux qui parlent de leur bouche et disent toujours louons le Seigneur, louons le Seigneur. Et dans leur cœur, Dieu fait en sorte que ces miracles se produisent ailleurs pour les faire paraître. Et ils vont courir et aller dans ces lieux alors que c'est Dieu qui les fait apparaître ainsi. S'il te plaît, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, comprends ceci. Le verset 10 maintenant. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces miracles se produiront pour faire paraître ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qui ont le mensonge dans leur cœur. Et pourtant ils disent louons le Seigneur, alors ils vont courir à aller dans ces lieux. Si on leur dit allons en Israël, ils iront en courant sans savoir que c'est de la séduction. On va donner de l'eau bénite aux gens et les gens vont accourir. On va demander aux gens de balayer le front sans savoir que c'est de la séduction. On se sert de cela pour te faire paraître. Les événements te feront paraître. Et celui que tu es prêté précisément pour qu'il se manifeste, frères et sœurs, les vierges étaient parties pour attendre l'époux. Qu'est-ce qui est plus grand que cela? Non. Cela veut dire qu'elles étaient en route, mais elles avaient autre chose dans le cœur. L'Éternel dit, tout ce qui est dans vos cœurs, je le révélerai. Alors l'événement est venu. L'époux a tardé à venir. Et pour cet objectif. Et si se sont endormis. Et il y a eu un cri, l'époux est là. L'époux a constaté que les lampes étaient éteintes déjà. Et les ténèbres ont pris les lieux. Et quand elles se réveillaient, toutes mirent l'huile dans leurs lampes. Et les folles n'en avaient pas. Et pour y mettre. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose. Ce jour-là, elles ont révélé la chose. Plusieurs années. Elles ont vécu dans le temple plusieurs années. Plusieurs années, elles ont fait dans le temple. Mais cet événement
C'est lui qui a fait paraître qu'elle mentait. Parce qu'elles avaient autre chose dans le cœur. Qu'elles étaient des vierges. Elles avaient autre chose dans le cœur. Elles avaient d'autres pensées. Elles avaient d'autres démarches qu'elles posaient. Ainsi tu as dit, je les ferai paraître. L'événement a fait paraître la chose au jour. Quand elle a fait paraître, elles sont parties chercher de l'huile. Le pot est arrivé. Et on a pris les cinq. Et pour entrer dans le lieu des noces. On n'a pas pris les cinq devant elle. Non. Non. C'est pour cela que je t'avais donné cet exemple. Que Dieu ne viendra pas trier parmi tout le monde et devant tout le monde. Non. Deux seront sur le même lit. Et je prendrai un, je les réveille. Il dormait. Et quand l'un va se réveiller, il va constater que l'autre n'est plus là. Ou que sa femme ou son mari n'est plus là. Et pourtant la chambre est fermée, la porte est fermée. Où est-il parti? Il est parti au ciel. Et l'autre va rester. Mon heure a sonné. Je ne peux plus continuer aujourd'hui. Le dimanche, je vais relancer à partir d'ici. Car il y a des choses importantes à te dire. Et tu connaîtras que les événements, ce que tu es, vont le fait paraître. Alors répands-toi et prends garde à toi et reviens au Seigneur pour qu'il te fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous debout et prions. Wayo Yesube enokunola. Wayo Yesube enokunola. No kono. No kono. No kono. No kono. No kono. Aso kugbe na gbe na peto la. Primena di lo Seigneur. Benebanya mawe. Dis-lui mon Dieu. Merci. Je me retrouve désormais. Je suis un hypocrite. Il y a des choses dans ma vie. Aujourd'hui, je veux m'en débarrasser. Je veux les rejeter. Et de ne plus être hypocrite. Car je sais que les événements me feront paraître. Tout événement me fera paraître. Mon Dieu, fais ma grâce ce matin. Que j'ai la vie. Ta lumière m'éclaire. Moi aussi, je participe au royaume de Dieu. Merci à toi, car tu es le Tout-Puissant. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te louons et te célébrons. Car aujourd'hui, tu as accompli des miracles dans la vie de tes enfants. En ce jour, quelque chose de bien s'est produit dans la vie de nous. Car tout événement donnera à chacun de savoir qui il est. Et chacun se tournera vers le Seigneur. Et pour que le dessein du Seigneur soit dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi tous. Amen. Amen. Et pour cela, à partir d'aujourd'hui, le dessein de Dieu, la puissance de Dieu, qu'il se manifeste dans ta vie. La science, qu'il soit déversé dans ta vie. La totale conscience qu'elle entre en toi. Le sang de Jésus, et qu'il te lave. Et que tu aies la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et yatala. Cela, disons-nous au revoir. Portez-vous bien pour soins de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Yesu odedeko mana agbena. Hallelujah. Yesu odedeko mana agbena. Hallelujah. Mawa deke melio edenu gbede 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 ye. Yesu odedeko au mana agbena. Amen. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et gardez-vous. Et prenez le soin de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye. Au revoir.
pe ti aru pe la gogo mi bo mi no mo ma o pe ti aru pe la gogo mi bo mi no mo si pale ki ga yo pa ba ora ja ja ku ba me pe ko me keje aya se so ga ji gogo e bo Mi cara un tilara con cantio Mi cara un dolor a cuore traio